But I think he's legit. Like, everything I've looked at, it's like this guy actually made this thing which could totally revolutionize the world. It's just very difficult to make hydrogen and store it and use it in a car. We are 70% water and only 30% land. We try to create something new, and it's not just basically a copy of the form factor of everything else, but you still want it to be great. It's very hard. This is a very hard thing. You know, people always want to know what our next product is. We are actually building a new product. We are actually designing a new product. Two new products that I think you will be very excited about. Like, it's physically possible, so I think we can do it. Every truck that we put on the road that replaces a diesel truck is a huge amount of leverage, and so that is why we're doing this, and makes a huge difference towards driving us towards our total mission of sustainable energy and transportation. Elon Musk a toujours été connu pour penser en dehors des sentiers battus. De la révolution de l'industrie des voitures électriques avec Tesla, au lancement de fusées dans l'espace avec SpaceX, et même au creusement de tunnels sous les villes avec The Boring Company, sa vision ne connaît pas de limites. Aujourd'hui, Elon Musk fait encore une fois la une des journaux avec une annonce qui est destinée à bouleverser non seulement l'industrie automobile, mais le monde entier. Musk a révélé une innovation révolutionnaire, un nouveau moteur à eau pour les véhicules Tesla. Cette annonce est rien de moins que monumentale. Le concept d'utiliser l'eau comme source de carburant principal pour les véhicules a été discuté depuis des décennies, souvent considéré comme une idée futuriste ou même farfelue. Cependant, si quelqu'un pouvait en faire une réalité, ce serait Elon Musk. Avec ses vastes ressources, son expertise et une équipe d'ingénieurs de classe mondiale, Musk repousse désormais les limites du possible. Un moteur à eau pourrait changer fondamentalement notre approche de l'énergie, du carburant et du transport. Qu'est-ce que ce moteur à eau exactement? Comment fonctionne-t-il? Que signifie-t-il pour l'avenir du transport et de l'environnement? Et, peut-être plus important encore, comment Tesla prévoit-elle de concrétiser cette innovation? Chapitre 1. La vision derrière le moteur à eau. Elon Musk n'a jamais été timide quant à sa vision pour l'avenir. Depuis des années, il est un fervent défenseur de l'énergie durable et de la réduction de l'empreinte carbone de l'humanité. Son travail avec Tesla s'est principalement concentré sur les véhicules électriques, qui sont considérés comme une étape critique pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Cependant, Musk comprend que la lutte pour la durabilité nécessite encore plus d'innovation et de disruption. L'idée d'un moteur à eau est enracinée dans l'engagement de Musk envers l'énergie propre. Contrairement aux moteurs à combustion interne traditionnels qui dépendent des combustibles fossiles, qui émettent des émissions nocives dans l'atmosphère, un moteur à eau utiliserait l'eau comme source principale de carburant, créant une alternative beaucoup plus propre. Cela s'aligne parfaitement avec la mission plus large de Musk de promouvoir la transition mondiale vers l'énergie durable. La motivation derrière le développement d'un moteur à eau va au-delà de la simple réduction des émissions de carbone. Musk est depuis longtemps conscient des ramifications géopolitiques et économiques de la dépendance aux combustibles fossiles. La volatilité continue des prix du pétrole, associée aux conséquences environnementales de l'extraction et du forage de combustibles fossiles, a clairement montré que le monde a besoin d'une source d'énergie plus durable et équitable. L'eau, abondante et renouvelable, offre une solution prometteuse. Musk envisage un avenir où les véhicules ne sont pas seulement électriques, mais alimentés par l'eau. Un avenir où l'énergie propre est disponible pour tous, et non seulement pour ceux qui peuvent se la permettre. En rendant cette technologie accessible et abordable, Musk croit que Tesla peut mener la charge pour créer un avenir plus vert et plus durable. Chapitre 2. La science derrière le moteur à eau. Pour comprendre comment fonctionne le nouveau moteur à eau de Tesla, nous devons nous plonger dans la science qui le rend possible. Le concept de moteur à eau n'est pas entièrement nouveau. Les scientifiques et les ingénieurs explorent cette idée depuis des années, mais une mise en œuvre pratique et efficace est restée insaisissable, jusqu'à présent. La clé du moteur à eau est l'hydrogène. L'eau, comme nous le savons, est composée de deux atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène. H2SO. En décomposant l'eau en ses parties constituantes, on peut obtenir du gaz hydrogène, qui peut ensuite être utilisé comme source de carburant.
Ce processus, connu sous le nom d'électrolyse, utilise un courant électrique pour séparer les molécules d'eau en hydrogène et en oxygène. Cependant, les méthodes traditionnelles d'électrolyse ont été énergivores, nécessitant souvent plus d'énergie pour produire de l'hydrogène que l'énergie qu'elle fournit. Cette inefficacité a été un obstacle majeur à l'adoption généralisée de l'hydrogène comme source de carburant. Mais le moteur à eau de Tesla adopte une approche différente. Musk et son équipe d'ingénieurs ont développé une nouvelle méthode d'électrolyse plus efficace, utilisant des matériaux avancés et des technologies de pointe pour réduire l'énergie requise pour produire de l'hydrogène. Cette avancée rend le moteur à eau non seulement viable, mais aussi très efficace. Une fois l'hydrogène produit, il peut être introduit dans une pile à hydrogène. Dans une pile à hydrogène, l'hydrogène réagit avec l'oxygène de l'air pour produire de l'électricité, avec de la vapeur d'eau comme seule émission. Cette électricité peut ensuite être utilisée pour alimenter un moteur électrique, de la même manière qu'un véhicule électrique traditionnel. Cependant, contrairement aux véhicules électriques traditionnels qui dépendent des batteries, un véhicule à hydrogène peut être ravitaillé en quelques minutes et offre une autonomie beaucoup plus longue. Le moteur à eau de Tesla intègre également une méthode novatrice de capture et de recyclage de la vapeur d'eau émise par la pile à hydrogène, la transformant à nouveau en eau liquide et l'utilisant de nouveau pour l'électrolyse. Ce système en boucle fermée réduit considérablement la consommation d'eau et augmente l'efficacité globale, en faisant l'un des systèmes d'énergie les plus durables jamais développés. Chapitre 3. Surmonter les défis. Développer un moteur à eau n'est pas une mince affaire, et il y a de nombreux défis que Tesla a dû surmonter. Le premier et le plus significatif défi est l'efficacité de la production d'hydrogène. Les méthodes traditionnelles d'électrolyse ont été énergivores et coûteuses, rendant l'hydrogène une source de carburant peu pratique pour la plupart des applications. Cependant, la nouvelle technologie de Tesla promet de rendre l'électrolyse beaucoup plus efficace et abordable, ce qui pourrait rendre l'hydrogène un carburant viable pour le marché de masse. Un autre défi est le stockage. L'hydrogène, en tant que gaz, est hautement inflammable et nécessite une manipulation et un stockage soigneux. Tesla a développé un nouveau type de réservoir de stockage d'hydrogène qui est à la fois léger et très sécurisé. Fabriqué à partir de matériaux composites avancés, ce réservoir peut supporter des températures et des pressions extrêmes, garantissant que l'hydrogène est stocké de manière sûre et efficace. De plus, l'infrastructure pour le ravitaillement en hydrogène est actuellement limitée, avec seulement quelques stations disponibles dans certaines régions. Tesla a annoncé des plans pour construire un réseau de stations de ravitaillement en hydrogène, similaire à son réseau de superchargeurs pour les véhicules électriques. Ces stations seront stratégiquement situées le long des principales autoroutes et dans les centres urbains, garantissant que les véhicules à eau de Tesla auront un accès facile au ravitaillement. En outre, il y a le défi de la perception publique. L'hydrogène comme source de carburant a été confronté au scepticisme en raison des préoccupations de sécurité et de la perception qu'il est moins pratique que les carburants traditionnels. Tesla devra convaincre les consommateurs que l'hydrogène est non seulement sûr, mais aussi une alternative supérieure à l'essence et même aux batteries électriques. Cela nécessitera un effort de marketing et d'éducation significatif, mais si une entreprise peut le faire, c'est Tesla. Chapitre 4. Les merveilles de l'ingénierie derrière le moteur à eau de Tesla. L'un des aspects les plus passionnants du nouveau moteur à eau de Tesla est l'ingénierie qui a permis de le rendre réalité. Elon Musk est toujours connu pour repousser les limites de l'ingénierie, et le moteur à eau ne fait pas exception. Au cœur du moteur à eau se trouve une nouvelle pile à hydrogène propriétaire, plus petite, plus légère et plus efficace que tout ce qui est actuellement sur le marché. Cette pile à hydrogène utilise un catalyseur novateur qui accélère significativement la réaction entre l'hydrogène et l'oxygène, produisant plus d'électricité avec moins de déchets. Le résultat est une pile à hydrogène non seulement plus efficace, mais aussi plus durable, capable de durer des centaines de milliers de kilomètres sans dégradation.
Tesla a également développé un nouveau type de cellule d'électrolyse qui utilise des matériaux avancés pour réduire la consommation d'énergie. Les cellules d'électrolyse traditionnelles utilisent du platine ou d'autres métaux coûteux comme catalyseurs, mais la nouvelle cellule de Tesla utilise un alliage propriétaire qui est moins cher et plus efficace. Cette innovation pourrait réduire considérablement le coût de production de l'hydrogène, le rendant compétitif avec l'essence et le diesel. Le véhicule lui-même est également une merveille d'ingénierie. La voiture alimentée à eau de Tesla présente un châssis léger, fabriqué en aluminium haute résistance et en fibre de carbone, réduisant le poids et améliorant l'efficacité du carburant. Le design aérodynamique de la voiture minimise la traînée, améliorant encore plus son autonomie et ses performances. À l'intérieur, le véhicule est équipé de technologies de pointe, allant d'un système d'infodivertissement à la pointe de la technologie, à des fonctionnalités avancées d'assistance au conducteur. Le moteur à eau de Tesla n'est pas simplement une amélioration incrémentale des technologies existantes. Il représente un changement fondamental dans notre manière de penser l'énergie et le transport. En combinant des matériaux avancés, une ingénierie innovante et des technologies de pointe, Tesla a créé un véhicule non seulement durable, mais aussi pratique et abordable. Chapitre 5. L'impact sur l'industrie automobile. L'annonce d'Elon Musk concernant un moteur à eau crée déjà des ondes de choc dans l'industrie automobile. Pendant des années, les véhicules électriques ont été considérés comme le futur du transport, avec des entreprises comme Tesla en tête de ce changement. Cependant, l'introduction d'un véhicule alimenté à l'eau pourrait complètement bouleverser la donne. Les constructeurs automobiles traditionnels ont été lents à adopter les véhicules électriques, invoquant souvent des préoccupations concernant l'autonomie, l'infrastructure de recharge et le coût des batteries. Un moteur à eau pourrait répondre à bon nombre de ces préoccupations, offrant une alternative propre et efficace à l'essence et au diesel, sans les inconvénients des véhicules électriques traditionnels. L'introduction d'un moteur à eau pourrait contraindre d'autres fabricants d'automobiles à repenser leur stratégie. Les entreprises ayant investi massivement dans les véhicules électriques pourraient devoir se tourner vers l'hydrogène, tandis que celles ayant tardé à adopter les nouvelles technologies pourraient se retrouver dépassées. Cela pourrait entraîner un bouleversement majeur dans l'industrie, avec l'émergence de nouveaux acteurs et les anciens peinant à suivre le rythme. L'impact d'un moteur à eau dépasse l'industrie automobile. L'adoption généralisée de l'hydrogène comme source de carburant pourrait réduire la demande de pétrole, déstabilisant potentiellement les marchés mondiaux de l'énergie. Cela pourrait également réduire les émissions de gaz à effet de serre, aidant ainsi à atténuer les effets du changement climatique. Les effets de cette innovation pourraient se faire sentir dans toute l'économie mondiale, des entreprises énergétiques aux fabricants de voitures en passant par les consommateurs. Chapitre 6. Avantages environnementaux et durabilité. L'une des raisons les plus convaincantes pour développer un moteur à eau est son potentiel à réduire l'impact environnemental. Contrairement aux moteurs à combustion interne traditionnels qui émettent des polluants nocifs dans l'air, un moteur à eau ne produit que de la vapeur d'eau comme sous-produit. Cela en fait l'une des formes de transport les plus propres disponibles. En utilisant l'eau comme source de carburant, le moteur à eau de Tesla pourrait réduire considérablement les émissions de gaz à effet de serre. Cela est particulièrement important dans la lutte contre le changement climatique, le transport étant l'une des principales sources d'émissions de carbone. En offrant une alternative propre et durable à l'essence et au diesel, le moteur à eau pourrait aider à réduire notre empreinte carbone et à protéger la planète pour les générations futures. De plus, le moteur à eau pourrait réduire notre dépendance aux combustibles fossiles. L'extraction de pétrole a des impacts environnementaux significatifs, allant de la destruction des habitats à la contamination de l'eau. En réduisant la demande de pétrole, le moteur à eau pourrait contribuer à préserver les écosystèmes naturels et à protéger la biodiversité. Le moteur à eau a également le potentiel d'améliorer la qualité de l'air. Dans de nombreuses villes du monde, la pollution de l'air est un problème majeur de santé publique, contribuant à des maladies respiratoires, des problèmes cardiaques et d'autres problèmes de santé.
en éliminant les émissions des tuyaux d'échappement, le moteur à eau pourrait aider à améliorer la qualité de l'air et à créer des villes plus saines et plus vivables. Chapitre 7. Implications économiques. L'introduction d'un moteur à eau pourrait avoir des implications économiques considérables. Pour les consommateurs, un véhicule alimenté par l'eau pourrait offrir des économies significatives. L'eau est abondante et bon marché, et avec la nouvelle technologie d'électrolyse de Tesla, le coût de production d'hydrogène pourrait être compétitif avec l'essence et le diesel. Cela pourrait conduire à des coûts de carburant plus bas et à une réduction des dépenses d'exploitation pour les propriétaires de véhicules. Pour les fabricants d'automobiles, le moteur à eau représente à la fois une opportunité et un défi. Ceux qui seront capables de s'adapter à la nouvelle technologie pourraient obtenir un avantage concurrentiel, tandis que ceux qui seront lents à changer pourraient se retrouver en difficulté. Cela pourrait entraîner une concurrence accrue et une innovation dans l'industrie automobile, bénéficiant en fin de compte aux consommateurs. Le moteur à eau pourrait également créer de nouvelles opportunités de croissance dans d'autres secteurs. Par exemple, le développement et le déploiement de l'infrastructure de ravitaillement en hydrogène pourraient créer des emplois et stimuler l'activité économique. De même, la production d'hydrogène pourrait créer de nouveaux marchés pour l'énergie renouvelable, car l'électrolyse peut être alimentée par des sources d'énergie propres telles que l'éolien ou le solaire. Chapitre 8. Le rôle de l'énergie renouvelable. Le succès du moteur à eau de Tesla est étroitement lié au développement de l'énergie renouvelable. L'électrolyse, le processus utilisé pour produire de l'hydrogène, nécessite de l'électricité, et les avantages environnementaux d'un moteur à eau dépendent de l'utilisation de sources d'énergie propres et renouvelables. Elon Musk a longtemps été un fervent défenseur de l'énergie renouvelable, et Tesla est bien positionné pour mener dans ce domaine. Les gigafactories de l'entreprise sont déjà alimentées par l'énergie solaire, et les panneaux solaires et les systèmes de stockage de batteries de Tesla pourraient jouer un rôle clé dans la création d'un système de production d'hydrogène durable. En intégrant l'énergie renouvelable dans son processus de production d'hydrogène, Tesla peut s'assurer que son moteur à eau est véritablement durable, réduisant les émissions et promouvant l'énergie propre. Cette approche s'aligne également avec la vision plus large de Musk de créer un avenir durable pour l'humanité, un avenir qui ne dépend pas des combustibles fossiles. Chapitre 9. Les barrières potentielles à l'adoption. Malgré la promesse d'un moteur à eau, il existe encore des barrières significatives à son adoption généralisée. L'un des plus grands défis est l'infrastructure. Bien que Tesla ait annoncé des plans pour construire un réseau de stations de ravitaillement en hydrogène, cela nécessitera un investissement significatif et du temps. En attendant, les consommateurs pourraient hésiter à adopter une nouvelle technologie sans un réseau de ravitaillement fiable et accessible. Il y a également des préoccupations concernant la sécurité de l'hydrogène comme source de carburant. Bien que Tesla ait développé des réservoirs de stockage avancés pour minimiser les risques, l'hydrogène reste hautement inflammable et nécessite une manipulation soigneuse. La perception publique de la sécurité de l'hydrogène devra être abordée et les consommateurs devront être informés des avantages et des risques de la technologie. Enfin, il y a le défi du coût. Bien que la nouvelle technologie d'électrolyse de Tesla promette de rendre la production d'hydrogène plus abordable, des questions demeurent quant à savoir si elle peut rivaliser avec l'essence et le diesel en termes de prix. Les consommateurs sont peu susceptibles d'adopter une nouvelle technologie si celle-ci est significativement plus coûteuse que les options existantes. Chapitre 10. L'avenir du moteur à eau. L'annonce du moteur à eau de Tesla marque le début d'une nouvelle ère dans le transport. Bien qu'il reste encore de nombreuses questions et défis à relever, les avantages potentiels d'un véhicule à hydrogène sont énormes. Elon Musk a toujours été un visionnaire, et le moteur à eau est simplement le dernier exemple de son ambition à repousser les limites de ce qui est possible. Si cela réussit, le moteur à eau pourrait révolutionner non seulement l'industrie automobile, mais aussi l'ensemble de l'économie mondiale, en changeant notre façon de penser l'énergie, le transport et la durabilité. En regardant vers l'avenir, une chose est claire.
le moteur à eau de Tesla représente une nouvelle vision audacieuse pour un monde plus propre, plus vert et plus durable. Si cela devient une réalité, reste à voir. Mais avec Elon Musk à la barre, tout est possible.